Il n'y a pas longtemps, je suis allé boire un verre avec une amie et elle m'a dit un truc qui m'a assez surpris. En fait, elle fait son master en distanciel depuis le Covid. Depuis la Covid? Ah, je sais pas, il change tout le temps. Elle me disait qu'elle avait l'impression de voler son diplôme et qu'elle ne le méritait pas. Pourtant, elle a eu 14-15 de moyenne sans trop rien faire. Ouais, on va pas se mentir, c'est un petit peu une branleuse. Hein. Du coup, je me suis demandé pourquoi elle pensait ça. Et c'est là que j'ai découvert qu'elle souffrait en fait du syndrome de l'imposteur. Dans les années 1970, deux scientifiques américaines ont mené des expériences sur leurs étudiants. C'est toujours les étudiants qui prennent cher. Elles se sont rendues compte que les jeunes femmes, lorsqu'elles cartonnaient à leur examen, commençaient à douter de leurs compétences. Bizarre. Certaines disaient qu'elles étaient une fraude, d'autres disaient qu'elles étaient une arnaque. En fait, elles croyaient que leur réussite était principalement due à de la chance. Elles avaient un peu comme la sensation d'être passées à travers les mailles du filet pendant toutes ces années. Réalité ou impression? Telle est la question. Après leur avoir fait passer des tests, les scientifiques américaines ont remarqué que toutes ces femmes souffraient du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de penser que nos réussites viennent d'une erreur, d'un coup de chance, ou du fait qu'on a l'air sympa. Et pas de notre talent, du mérite de notre travail ou de nos compétences. Genre ton boss t'a filé une promotion parce qu'il aime bien ta tête et pas parce que t'as fait du bon taf. D'après une étude de 2007, 70% des gens souffriraient de ce syndrome au moins une fois dans leur vie. Hommes, femmes, étudiants, salariés, patrons, tout le monde peut y passer, c'est totalement universel. Les gens les plus susceptibles de développer ce syndrome sont les perfectionnistes. Les perfectionnistes maladifs ont tendance à se fixer des buts irréalistes et à s'autocritiquer en permanence. Et quand les gens les félicitent alors qu'eux-mêmes ne sont pas convaincus d'avoir rendu quelque chose de parfait, bah ils ont clairement l'impression que les gens se foutent de leur gueule. Est-ce que tu te reconnais pas un petit peu là? Mais c'est pas de leur faute. En fait, le cerveau essaye de se protéger des échecs en se forçant à travailler et en se donnant à fond. Du coup, ça crée de l'anxiété parce qu'il faut faire un truc parfait. Ça peut aussi créer de la procrastination parce qu'on a tout simplement peur de mal faire les choses. Les procrastinateurs sont les gens qui vont repousser au lendemain au maximum. Non mais ça prend du temps de faire un bon morceau. Ça quoi? Bah ouais, mais on peut pas aller plus vite que la musique, nous. Tu te reconnais pas par là aussi? Comme ça, même si ce qu'ils rendent n'est pas ouf, bah ce sera parce qu'ils ont manqué de temps et pas parce qu'ils sont nuls. D'ailleurs, je connais un petit programme pour arrêter de procrastiner, disponible en description et qui a été conçu par nos soins. Si tu es plutôt anxieux, tu te sens sûrement beaucoup mieux quand tu as terminé un projet. Et quand les autres te font un retour positif, tu as tendance à te dire que c'est parce que tu as beaucoup travaillé et que ça n'a rien à voir avec tes compétences. Du coup, tu penses que tu ne mérites pas ton succès. Tu as l'impression d'être un imposteur et que un jour, la terre entière connaîtra ton secret. Tu n'es pas celui qu'il pense. Il faut tuer cette bête! Comme tu veux pas décevoir les gens, tu vas travailler encore plus. Au final, ça te rend anxieux. Et c'est reparti pour un tour. Cette théorie a été trouvée par le docteur Pauline Rose Clance, alias Dr Popo, dans les années 1980. Après des tonnes et des tonnes d'études sur le sujet, elle n'a toujours pas trouvé les causes de ce syndrome. À l'époque, elle a expliqué que certains étudiants disaient ne jamais partager leur avis perso. En fait, elle disait ce que les autres avaient envie d'entendre, de peur d'avoir l'air bête. Ce serait donc en partie à cause de la pression sociale et familiale, mais on sait pas vraiment pourquoi on fait ça. Heureusement, ça n'a pas empêché les pros du développement personnel de nous concocter des super conseils pour s'en sortir. Tu te sens nul dans ce que tu fais? Arrête. Non, plus sérieusement, si tu penses te reconnaître dans ce syndrome, je peux déjà te conseiller de répondre aux 20 questions de la Clance Imposter Syndrome Scale. C'est dans la description aussi. C'est une échelle validée par des psychologues et qui permet de savoir à quel point tu es impacté par le syndrome de l'imposteur. En passant, pense à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne aussi, comme ça j'aurai moins l'impression d'être un imposteur qui ne te mérite pas. À la prochaine!